Salut à tous les amis, c'est The Opticos. Donc aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle épisode hein, sur la saison 3. Oh, à la style Bob Lennonique. Et c'est parti. Alors. Sur les quais, Kylem était au point l'étape suivante de son plan. Il a besoin d'une tire d'enfer pour son petit plan. Et il veut la plus rapide sur le marché. Trouvez-moi des bagnoles très rapides, et plus vite que ça. Hey Hutch, tu viens voir le match? Ouais, une seconde. Mais c'est la bagnole, ça! Qu'est-ce que... Viens, on prend la mienne! On dirait que les mecs de Kylem ont jeté leur dévolu sur la meilleure bagnole de Bay City. Elle n'allait pas se laisser arrêter par Zebra 3. Et voilà, on vient de se faire... Punaise, on vient de se faire chourer notre bagnole! Manquez plus que ça. Ma voiture! Ma voiture! Centrale. Zebra 3 a été volé par un homme de race blanche se dirigeant vers l'est sur Provenor. Bien compris, lieutenant Hutchinson. À toutes les unités, non, mais il Zebra 3 en français, signalez garder sa bagnole, mais je vais faire la paix. On les tient presque. Wouhouhou! Ouais! Rends-moi ma caisse! Alors faut pas y rentrer dedans, hein. Ah punaise, on peut faire ses prières. On n'écrase pas les civils, tu sais. Allez. Approche-toi! Allez, rends-moi ma voiture! Allez, tu en es un débutant là! Voilà, je pense mais ça n'a pas ou quoi? Arrête de tirer sur ma bagnole, Hutch! Bah, je fais ce que tu veux. Oui! T'as le fang dans la peau! Ma bagnole. Hé hey, fais un peu attention. Là ça va chier. Ah c'est pas tout ce qu'il fallait. Ah chier. Je rêve. Tu es en train de bousiller ma bagnole, non? Ouais. On va faire une virée. Une pause café là ou quoi? Non, mais ça n'a pas ou quoi? Arrête de tirer sur ma bagnole, Hutch! Oh bah, il faut savoir ce qu'il veut. Ah, la clé, elle est pas là. Allez, Starsky, concentre-toi! Voilà, qui ouais, est on mieux. Est en feu! Non, Youhouhou. Bah, chaque fois, je comprends le truc, c'est pas possible. Ça. Bon, ça c'est ouh, bien. Ma voiture! Il est en train de bousquer ma voiture! Allez, cette fois-ci, on va... ça va pas rigoler. On va les perdre! Ouais, allez, résistante notre voiture. Hein. Au virage! Ouais, il est en train de bousquer ma bagnole, non? Parfait! Ah, tu fais quoi là? Tu regardes la route ou tu penses à autre chose? Bon, on va y arriver, bon, on se concentre. J'adore ça! C'est pas pour rien que c'est une des plus rapides, hein, les voitures. Une des plus jolies surtout. Bien reçu, 25. 97 sur la quatrième. Code 4.
vraiment des nuls les conducteurs de camions. Hutch, t'as pas intérêt à abîmer ma caisse. Ah, trop tard. Je vais faire ça fait tout de suite. Allez. Arrête de jouer, Hutch, et tire sur une cible. Hé, ma bagnole, fais gaffe. Je vais l'avoir. Alors, faut surtout pas te taper dedans. Hé, tu te trompes de cible, là. Ah, c'est bête, on a échoué. Objectif secondaire. Starsky et Hutch ont rattrapé le chauffard, mais il n'a pas l'intention de se mettre à table. Pourquoi t'as piqué ma bagnole, minable ? Hutch a arrêté le suspect pendant que Starsky examinait de près les dégâts de Zebra 3. C'est alors que Hutch a trouvé un indice dans la poche du type. Hé, hey, Starsky, regarde ça. C'est une carte de la ville avec un itinéraire. Alors c'est pour ça que tu piquais les bagnoles, hein ? Le malfrat n'allait rien avouer à propos de la carte. Hutch a donc décidé de les coffrer tous les deux pour un petit brin de causette au commissariat. Donc voilà, on a la clé, alors allons voir la clé qu'on a. Donc voilà, alors la clé. Oh mince. Ouais, on a une voiture rouge encore. Donc voilà la voiture. Eh ben écoutez, je propose qu'on se quitte sur ce magnifique tableau des voitures. Allez, à la prochaine.